Eh bien bonjour à tous, et eh bien nous revoilà après une période de d'inactivité, on va dire. Enfin d'inactivité au potager, parce que c'est du béton dehors. Après la flotte, le froid arrivait d'un coup. La neige. Donc, là aujourd'hui, on a du moins vite. Donc, on va pas faire de vidéo dehors, hein, sinon il faut semer avec une perceuse. Dans la salle, il fait moins 3. J'ai essayé de voir si mes salades étaient bien. T'as pas l'air d'être trop mal, mais je ne soulève rien, je laisse comme ça. Ça fait une semaine que les portes sont fermées. On ne touche à rien, on ne lève pas les voiles. On verra après, c'est du dégât. Voilà. C'est du dégât, bon, c'est des salades. On a vite fait de refaire quelques plateaux de salade et puis voilà. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va faire du semis de poivrons d'aubergine. Parce que ben, c'est le plein moment, c'est la bonne époque. Depuis mi-janvier, vous pouvez commencer, mais maintenant ça se trouve à se passer. Donc voilà. Donc pour faire un bon semis de poivrons d'aubergine, il vous faut une bonne température. Déjà, oui. Un beau taux de luminosité. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez commencer tôt en saison, moins vous aurez de lumière. Donc plus vous devrez éclairer. Ou... Et voilà, sinon ça file. Hein. Ça va assez loin levé, mais dès que ça fait, ça va passer. S'il n'y a pas assez de lumière, et puis ben, le résultat n'est pas terrible. Donc là maintenant, on est arrivé à la mi-février pour un semis de poivrons d'aubergine au chaud. Hein. Pas de... Il faut, pour le poivron, l'aubergine, à grand minimum 18 degrés. Mais si vous avez 21, 22, c'est encore mieux. Jusqu'à 24, 25, c'est nickel. Bon, nous, ils seront à 19 et demi. Ouais, 19, 19 et demi dans la cuisine. Mais bon, ouais. Si on a soleil au niveau de la fenêtre, ça peut monter à 23, 24. Hein. Là, en ce moment, où je travaille dans les serres, il y a un chauffage, bien sûr, parce qu'on est en pleine saison de semis. Donc, le matin de bonne heure, quand il fait encore noir, et que ben, il gèle fort en ce moment, avec le chauffage, on est à... En majorité, dans la plus grande partie des serres, on est à 13-14 degrés. Par contre, la serre à semis, on est à 18-19. Et dès que le soleil commence à arriver, dans la serre, le chauffage se coupe automatiquement. Et là, ça monte à 27-28 degrés. Ah bah oui, avec... Et là, par contre, on ne peut pas y arriver, parce que si on fait un très froid, soit du semis... C'est pas bon. Pas bon. Donc, si vous mettez vos semis à la fenêtre, et que ben, un rayon de soleil, il fait chaud à la maison, mais il fait froid dehors, enlevez vos semis. Laissez pas vos semis au courant d'air froid, ça va. Ça risque d'être. Ils vont pas aimer. Ils vont pas aimer du tout. Donc, déjà, pour commencer, il vous faut un terreau. Voilà. Vous prenez le terreau de semis. Ou vous faites comme nous, un terreau universel d'assez bonne qualité. Vous n'allez pas prendre plein de morceaux. Sinon, il faut tamiser. Et même tamiser, j'aime pas trop. Des fois, c'est pas top. Hein. J'aime pas trop. Des fois, c'est pas terrible. Je déconseille, c'est le compost de déchetterie, tout ça, pour faire des semis. Non. Prenez un terreau qui soit assez complet. Bon, et là, ici, il y a un peu de tourbe. Un peu de tourbe, un peu de perlite. On voit une petite boule blanche, une perlite. Voilà. Donc voilà. Ensuite, il vous faut une mini-serre. Une mini-serre de chez Action. Donc c'est 3 euros. 3 euros, ça arrive à 3 euros maintenant. Hein, ouais, nous, ouais, à l'époque, oui. À l'époque, on les a eu un petit peu moins chers. Mais bon, ça maintenant... doit monter à 15, 16 euros. Ouais. Oui. Donc allez dans les discounters. Hein, et c'est pour la même qualité. Hein. Tout à fait. Le choix est vite fait. Surtout qu'on ne s'en sert pas de tonner. Ben non. Donc voilà. Donc une mini-serre, ou alors si vous avez une caisse polystyrène, pour une caisse avec un couvercle, ce que vous avez pour faire chauffer, monter un peu en température. Ensuite, moi je fais ça sur des morceaux de plaque alvéolée. Qu'on a découpé. Un morceau de persil. Un morceau de persil. Un morceau de plaque alvéolée parce que c'est une plaque cassée que j'ai coupée. Et je l'ai éternuée. Excusez-moi. T'es voilà. Souhaits, Jaco. Merci. Donc voilà, donc moi je fais ça en plaque alvéolée, mais vous pouvez faire ça directement en cueillette. Par contre, si vous faites ça là-dedans, étant donné qu'il n'y a pas de trou, attention à l'arrosage. Alors, eau puisée, jamais grandes eaux. Hein. Si vous faites ça aux grandes eaux, ça risque de stagner au fond, pourrir. Pourrir, ouais. Et après l'odeur aussi. Hein. Faut pas oublier que ça va être à la maison, parce que si ça sent mauvais, c'est pas agréable.
Et puis si ça sent mauvais, c'est que ça va pas, c'est qu'il y a un souci. Bah, c'est qu'il y a trop d'eau. Ouais. Okay. Des étiquettes. Des étiquettes pour marquer les noms, ça c'est pas une régale. Ah oui, un H2B. Ah, ça casse. Oh, cassé. Je suis trop puissant. Oh, un crayon. Moi là j'ai un HB2. Un HB2. Voilà, ça marche très bien sur les étiquettes plastiques. Ça ne part pas à l'arrosage et ça se nettoie très bien avec une éponge. Avec une éponge grattante. Voilà. Oh. Et un PV. Ou alors si vous arrosez, prenez un truc assez. Assez doux. Assez pour doux. Pas non plus creuser le terreau. Et après, pour couvrir la bougraine, un tamis ou alors une vieille passoire. Que vous avez. Voilà. Voilà. Donc. Et puis des graines, Jaco. C'est mieux. Ah bah quand même. Bon, donc là, on a quelques variétés qu'on nous a données. Hein. Il y a même des variétés où il n'y a plus que rien. Ouais, il y a juste 3-4 graines. Donc, voilà. Donc là, c'est un semis qui ira à la cuisine. Donc, vu que c'est un semis qui est lent à lever, c'est pas le problème, ça va lever doucement et ça va pas se refiler. Maintenant le temps du mien est assez long. Par contre, si vous faites avec des salades, tout ça, je répéterai encore et encore et encore, la salade intérieure, si c'est pas sous des lampes, surtout si vous travaillez, vous allez mettre ça à la lumière, ça va lever, ça va filer très vite. En et une journée, ça prend un centimètre. Et après, si c'est pour mettre ça sous des lampes, si c'est pour faire 6 salades sous des lampes, ben, vous achetez des lampes, vous les branchez, vous savez faire toute journée pour qu'il y ait assez de lumière. Résultat, des salades qui vont vous coûter 50 000 $. Donc le résultat, ben, moi je vous conseille plutôt d'aller en jardinerie, acheter 6 salades, vous les plantez, et puis voilà, enfin, plantez si la météo permet. Ah, parce que là, on ne peut pas planter. Hein. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de quoi protéger vos semis, eh ben, achetez du plan, ça sera plus judicieux. Donc, alors si vous faites ça là-dedans directement, vous remplissez aux 3/4, toujours aux 3/4. Alors, si on fait directement là. Là-dedans, ouais. Quand vous remplissez ça, vous remplissez aux 3/4, c'est-à-dire jusque limite là. Hein, que je vais casser un peu, mais je vais le montrer. Comme ça. Ce sera plus simple. Voilà. N'ayez pas ça, mais c'est bon. Il faut que ça fasse un peu bombé. Attention. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, il faut voir qu'il y a une petite cuvette. Ça, c'est pour les arrosages. Parce que quand vous arrosez, ça coule. Mmh. Et en plus, si vous faites ça de la cuisine ou à la maison, et puis que vous arrosez comme ça, et puis que ça coule, je ne vais pas être responsable de divorce. Donc, voilà, comme ça, il y a une petite cuvette. Là, vous tassez, mais pas trop. Il faut manquer de faire du béton. Voilà, là, vous faites vous aussi. Vous mettez vos graines sur les 2-3 cm. D'accord. Et c'est le même système pour les tomates. Voilà. Par contre, la tomate, c'est la même famille que les aubergines et les poivrons, mais ça lève beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si on fait un semis de tomates aujourd'hui, on est samedi, je dirais que pour mercredi, c'est levé. Ah oui, mais là, ça y est. Voilà, pour mercredi, c'est levé. Mm-hmm. On a moins 8 d'heures. Oui, ben. Parce que pour mercredi, c'est levé, et pour vendredi, c'est filé. Hein, le taux de lumière n'est pas assez important. Un semis levé dans le noir, c'est pas gênant. Au départ du semis, il n'y a pas besoin de lumière. Vous pouvez mettre ça dans le garage, même s'il fait sombre, du moment qu'il y a la température idéale. Par contre, dès que ça lève, il faut de la lumière. Sinon, ça file. C'est un phénomène normal. Donc, il faut bien penser à ça. Un endroit bien éclairé. Assez chaud, mais bien éclairé. Donc, maintenant, je vais jouer du piano. Allez, c'est parti. Bon, je ne vais pas remplir tout le plateau parce que je n'aurai pas de graines. Mais dans le doute, je vais le remplir quand même. On ne fait pas beaucoup, en même temps, on montre. Hein, ça. Voilà. Voilà, comment on fait pour remplir. J'ai déjà fait voir. Hein. Mais... Oui, toi, dans mon tour, mais c'est pas grave. Mais je refais voir. Oui, vas-y. Voilà, vous mettez assez de terre au-dessus. Voilà, vous tassez légèrement, pas trop fort, hein, pour pas non plus qu'elle fasse du béton. Et un petit morceau de tourbe. Voilà. Hop, on continue à la télé comme ça, et voilà, c'est fini.
Maintenant, j'oublie l'outil pour creuser. Bon, bah. J'arrive tout de suite. Bah, vas-y, Jaco. C'est pas loin. Bah, j'espère. Voilà, moi je me croise mes alvéoles avec le manche de somme, pour un morceau de manche à balayer. Voilà, vous croisez pour faire un petit lit douillet. Voilà. 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 On a l'habitude. Au boulot, il n'y a pas ce problème-là, il y a une machine. Ah bah oui. Un semoir automatique. Bon, en même temps, c'est pas le même nombre de semis non plus. C'est une petite machine, voilà, c'est une machine qui fait 10 buses. Qui a un tapis roulant, un rouleau qui va creuser les alvéoles, on a un chariot qui va chercher les graines, et qui s'ouvre dans des tuyaux qui correspond à ça. Là, ça fait que... D'accord. Pour ce même plateau de 150 graines, je mets 30 secondes. Ça va vite. Ensuite, un coup de tamisage dessus. Un terreau fort fin, mais vous même que ça. Et puis hop, c'est mis en nurserie. À 18-19 degrés. Avec un arrosage minimum quotidien, mais des fois même 2-3 fois dans la journée. Le terreau il sèche assez vite. Ah, vous arrosez 2-3 fois dans la journée quelque chose ? Ça arrive, ouais. Quand il fait un rayon de soleil, ça sèche vite. Ça sèche très vite. Ok. Donc bah, tout de suite. Un petit peu d'arrosage avec là par contre avec une lance d'arrosage mais vraiment très fine et étudiée pour ça. Voilà. Donc, pour l'instant je dois avoir fait 80 plateaux de fleurs et je dirais 25 plateaux de légumes après. Normalement, ouais, j'ai d'accord. Ça c'est du poivron. Ça c'est du poivron. Quand on est en plateau de riz, on met une graine par alvéole. Et puis voilà, si vous faites, vous pouvez faire aussi dans un petit pot. Hein. Oui, après, dans un petit tout pot. À fait. Voilà. Donc ouais. Quand vous semez dans un plateau comme ça, qui est rempli de terreau, ben, c'est à peu près la distance qu'il faut mettre. C'est à peu près la distance. Voilà, pour être tout. Marquez le nom. Toujours, hein. Un poivron. Donc c'est beau. Je ne cherchais pas à trouver cette variété-là. C'est du F1. Bon, moi, vous voulez mettre du F1. Ouais, bah, on voilà. Nous a donné quelques variétés. Bon, bah, on a dit, on va les mettre. Voilà. Donc voilà. Donc, comme je disais au boulot, là, je suis arrivé à 80 plateaux de fleurs environ. C'est pas fini, il y a encore toute la semaine à semer. Mm-hmm. Il y a à peu près 25 kilos de... 25 kilos 25 plateaux de légumes, tout mélangé. Pareil, parce qu'on a des massifs avec des légumes. Donc, on a une basilic, il y a un jardin curé, donc on a aussi des... Les aromatiques voilà, aussi et tout ça. Donc ouais. Tout ça, ben, c'est moi, pour l'instant, c'est moi qui gère. Voilà. Donc là, on va te laisser continuer. On va me laisser continuer. Merci bien. Donc voilà. Donc, moi, je me mets que ça, j'en ai largement assez. Voilà. Un chouin et l'aubergine, ici, on en met 2-3 pieds. Ouais, deux pieds, ça sera suffisant. C'est à peu près pareil pour les poivrons, quand on en met, parce que... Ouais, cette année, on n'était pas censé en mettre. Hein. Non, bon, on était pas. L'année dernière, ça n'a pas été une réussite. Et une d'avant, en pot, c'était bien, mais sinon... Ouais, mais c'était moyen aussi. Donc ouais, on verra. On a voulu faire plaisir, on nous a donné des graines. Bon, allez. On est d'honneur, pas de calais. Hein. Bah oui. Donc maintenant, alors, on prend un peu de terreau, un petit coup de tamis, parce que si ce tamis, c'est pas à qui. Ah, il y en a qui vont pas comprendre, j'avoue. Ah ouais. Donc si c'est à toi... C'est pas à moi. Voilà. Non, si c'est à moi, c'est si pas c'est à toi. Si c'est à moi, c'est pas à toi. Si c'est à moi, c'est pour être juste ami. Bon. C'est du ch'ti, hein. Le ch'ti de véloute. Ça, c'est qui s'est creusé, celui-là. Bah, on va savoir. Il y avait une saleté, j'ai enlevé un temps. J'espère que j'ai pris un bel bien. C'est pas grave. On le saura assez vite. On le saura, mais je vois plus peut-être. Alors pour les débutants, voilà, explique ce que tu fais avec la spatule. Voilà, pour racler le surplus de terreau. Voilà, un terreau bien tamisé au-dessus des graines, c'est quand même un peu mieux. Comme ça, au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura rien qui va gêner la levée. Donc si vous tamisez, vous ne jetez pas, surtout vous gardez. Hein, c'est pas,
Alors s'il y a beaucoup de morceaux, vous le mettez dans le fond des terrines, comme l'hameton. Admettons. Et c'est bon, c'est mis là-dedans, vous avez tamisé votre terreau avant, c'est du grossier, vous le mettez dans le fond. Déjà, ça fait un drainage. Et puis, ben, ça vous fait bien le terreau. Tout à fait. Voilà, donc après avoir fait ça, j'ai fait ça. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Un peu de drainage. Hop. Donc, je disais, à ce moment, au boulot, c'est la grosse période des semis. Donc si vous avez un climat assez doux, je dirais que la nuit ça descend pas en dessous de 9-10 degrés, vous pouvez faire du semis de fleurs. Rudbeckia, zinnia, pétunia, j'en passe et demi. Au boulot j'ai, comme je disais, à peu près pas loin de 280 cultivars chaque année. Un cultivar c'est... Je vais prendre l'exemple du géranium, tout simplement. Un géranium, vous avez du blanc, du rouge foncé, du rose, du saumon. Donc, une couleur est un cultivar. Donc, dans une variété, vous pouvez avoir 7, 8 cultivars différents. Voilà. Donc, et on fournit à peu près, enfin, on sort à peu près 220 000 plantes chaque année pour fleurir la ville. Donc, voilà, la difficulté, c'est... On sème maintenant. Ça va lever, on rempote, ça va durer, rempotage va durer un mois, c'est une grosse machine, mais ça va durer un mois quand même. Et après, ce qu'il faut, c'est tenir les plantes jusqu'à ce qu'on les sort de serre. Et c'est là le plus compliqué, le plus critique. Il faut pas que ça file, il faut pas que ça pourrisse. Donc il faut bien écarter les pots, il faut toujours bien pincer ses plantes, bien entretenir ses plantes. Et il y a certaines plantes qu'on voit pas, qui se pincent pas, mais certaines plantes se pincent, donc il faut les pincer, comme ça prend du volume. Mais ça prend du volume, donc il faut écarter les pots. C'est toute une histoire. Disons que c'est un métier, on ne s'improvise pas maraîcher ou horticulteur comme ça du jour au lendemain. Il faut savoir que tout n'est pas rose et que il va y avoir des aléas, des insectes, des maladies. Voilà, la météo, trop chaud, pas assez chaud. Tout ça, c'est à gérer. Donc c'est un stress permanent, aussi bien pour la plante que pour le... Que pour l'arroser. Ouais. Tu l'as vu à mes yeux, Jaco. Voilà. Aussi bien pour la plante que pour les jardiniers, c'est un stress permanent jusqu'à ce que ça sorte. Allez. Et après, vous avez la récompense de voir tout ça fleuri. Fleuri ou productif en légumes. Voilà. Alors là, donc, le semis de tomate, nous allons commencer. On va le commencer dans 15 jours, pardon. Ouais. Parce que, bon, bah, c'est pas. Dans 15 jours, c'est parce que nous, on met en serre froide. Si vous allez vous mettre dehors, vous attendez encore 3 semaines moins. A savoir que un pied de tomate, ça va entre le semis et la plantation, entre 6 et 8 semaines. Voilà. Pour des courges, vous coûtez 4 semaines. Donc les courges, c'est encore plus loin. C'est encore plus loin. Les courges, les concombres aussi, c'est plus loin aussi. Il n'y a plus qu'à vitasser. C'est plus loin. Tout ça, saison. C'est plus loin. Vous n'allez pas semer des concombres, des melons maintenant. Parce que ça va vous faire deux cotillons et une grande tige. Non, puis même, c'est pas l'époque. Soyez pas pressés. Vous avez le temps. De toute façon, plus le plant est robuste et en bonne santé, meilleur sera le résultat. Si vous partez avec des plantes déjà toutes filées, c'est pas bon. Il arrose même le terreau qui arrive. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, mais c'est pas grave, Jacques. C'est généreux, c'est de l'eau gratuite. Bah oui, c'est l'eau du ciel. C'est l'eau du ciel, oui. Voilà, donc ça va partir en... Donc, dans la cuisine, hein, la cuisine. On a dit 19 degrés à la lumière. Voilà, quand il fait. Et quand il fait très chaud, on ouvre un petit peu. Hein. Évitez trop on condensation. Évite la condensation. Voilà. Mais sinon, là, pour l'instant, c'est fermé. Donc là, ça sera en reposé, je dirais, dans le mois de mars. Et ça partira en serre froide avec les tomates. Parce que tout part en serre froide. Ah donc, oui, nous, oui, nos semis, on les commence le... en tomate. Hein. On va commencer ça fin février, le tout dernier week-end de février, je crois que c'est le 27 ou le 28. Voilà, ça sera le 27 ou le 28, c'est ça, Jaco? Voilà, ça sera peut-être voilà. Même le 27 et 28. Oui, parce que là, on n'arrivera pas à faire semer, en une seule fois. On va semer 120 variétés. Donc, 3 graines à chaque fois. Sans même 122, même, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, 3 graines à chaque fois, avec des pâteaux comme ça. Donc, ça prend énormément de temps. Pour 2 jours, je crois que ça sera bien. Oui, oui. Parce que nous on met 3 graines à chaque variété et à chaque variété il y a une étiquette et après il faut tout séparer
Et puis il faut amener tout ça au chaud. Par contre, là, la pile à la fenêtre va être très haute. Bah, je vais devoir faire pas mal de décalage de choses dans la cuisine. Mais je vais pas semer tout maintenant parce que en plus il y en a quelques-uns qui vont aller dehors. Donc ceux qui sont dehors seront semés plus tard. Donc voilà. Pourquoi semer si tard en saison? Pour les tomates anciennes, c'est parce que. Ben, toujours le même signe, c'est toujours la même histoire, c'est l'histoire de l'éclairage. Comme on ne fait pas sous lampe, ça ne m'intéresse pas de faire sous lampe parce que ça marche très bien sans. Donc je ne cherche pas à avoir des plantes très haut, très vite, parce qu'après, ben, on est embêté avec. Voilà. Si c'est pour les passer 5 fois, les changer 5 fois de pouce, c'est pas la peine. Bah non, et puis le terreau aussi. Aussi, il y a le terreau, il y a tout ça, la rosée, tout passer, le stress. Donc en semant très tard comme ça, on les passe en serre froide dès qu'ils ont décoché les dents, je rempote. C'est ma façon de faire. Décoché les dents, je rempote tout de suite pour pas que ça file, parce que ça reste en cuisine quand même. Et hop, en serre froide sous des protections. Les voiles, des squis. Bah, de toute façon, on va vous montrer au fur et à mesure hein, tout. Voilà. Et toute la tomate. Surtout si vous n'avez pas de protection du tout, ben vous attendez qu'il fasse meilleur. N'allez pas vous lancer là-dedans parce que. Vous allez être déçu parce que ça ne va pas fonctionner. Parce que, comme je disais, c'est pas toujours facile. Donc, si vous n'avez pas l'expérience, risque d'avoir des problèmes. Donc, voilà. C'est pas par prétention, je dis ça, c'est pour vous aider. Bah oui, c'est plus pour aider, Jaco. Non, oui, c'est pas de la prétention, c'est non, c'est. Voilà. Donc, voilà. Donc, semis de tomates, dans deux semaines, on mettra ça au chaud. Je dirais que 4 jours après, on rempote, ça part en serre froide sous protection. Ça va rester dedans jusqu'à la plantation. Et comme ça, on a du pied bien robuste, avec une tige bien épaisse. La tige surtout mauve, translucide. Et voilà, on sera parti pour une bonne saison. Voilà, et on vous dit ça parce que la saison dernière, on a eu pas mal de personnes qui ont eu justement ce problème. D'avoir fait leur semis, ne pas avoir pu protéger parce qu'ils n'étaient pas équipés. Voilà. Parce que, ben voilà, il faut un certain équipement, tout le monde ne l'a pas. Hein. On n'a pas ça non plus du jour au lendemain quand on est jardinier, quand on vient de démarrer. Et c'est pareil, là, pour cette saison, on a déjà des personnes qui ont fait leur semis de tomates et qui sont déjà très, très ennuyées parce que, ben, malheureusement, ils n'ont pas l'habitude et puis bah, ils se retrouvent à bah, certains. Là, on leur a dit bah, tu peux jeter hein, parce que là, tu ne peux pas protéger. Ils sont étonnés que nous n'ayons pas encore commencé. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont étonnés parce qu'on ne commence jamais très tôt. Jamais. De toute façon, on rattrape. Hein. C'est clair et net. C'est pas parce que vous allez semer très tôt que vous allez récolter plus tôt. Parce que si la météo n'est pas bonne, les pieds vont végéter. Et vous risquez même de retarder la première récolte. Voilà. Bon, après, tout dépend de votre situation géographique aussi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, si vous êtes dans des régions assez chaudes. Voilà, vous pouvez vous permettre de faire et puis voilà. Ça met un peu plus tôt pour les mettre dehors. Il y en a, j'ai vu quelque part dans le sud des fois qui mettaient leurs tomates dehors fin avril. Fin dehors, avril. Dehors, directement fin avril. Ici, c'est pas possible. Il y en a même qui ont réussi à rentrer des pots dans leur véranda et ils ont des tomates encore. Ils ont eu des tomates presque tout l'hiver et ils vont essayer de ressortir leur pied de tomate de la saison dernière. Bah, ils vont tenter. Un pied de tomate, c'est vivace. Hein. Eh oui, ça, il peut durer. Il soit à bonne température. Voilà. Mais bon, bah, ça va que. Au bout d'un moment, ça végète un peu et ça dégénère. Mais bon, c'est bien, quoi. C'est intéressant de savoir. Poivron. On peut faire ça. Tout rentrer comme ça au chaud, si vous avez une grande véranda chauffée. Voilà. Ça, c'est idéal. Une belle véranda chauffée, bien éclairée, bien lumineuse. Là, c'est idéal. Sinon, si vous êtes dans mon appartement maison, à la fenêtre, vous allez manquer de lumière. C'est pas la peine. Vous allez voir vos plants, ils vont partir du côté de la fenêtre. Donc, tous les jours, il faut retourner là-dessus. Hein. Ça, c'est un truc aussi à savoir. Tournez vos plateaux de semis. Tournez le plateau. Vos caisses, n'importe quoi, parce que ils vont avoir tendance à partir vers la lumière. Donc, voilà. Donc la semaine prochaine, je vais faire un peu de semis de pois en godet qui seront destinés à les dehors. Voilà, pour la prochaine vidéo, ce sera le semis de pois en godet. En godet, et je vous expliquerai combien il en faut, combien je mets de graines, combien il faut mettre et quand les mettre dehors. Voilà. C'est bon, Jaco ? Sur ce, on vous dit à très très bientôt. Et puis, pour ceux qui sont dans le nord, ben, couvrez-vous bien, parce que ça caille. Ça caille. Oui, il fait très froid. Donc voilà. À bientôt. Ceux qui ont la chance d'être dans les régions plus chaudes, ben, les vénards,
semer. Allez-y. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.